Aujourd'hui, la compagnie de la branche a décidé de mettre en place un dispositif visibilité. Donc, on fait des contrôles vitesse et des contrôles au niveau de certains axes, notamment le rond-point des Biards sur la commune d'Isigny. Nous sommes au rond-point de la Paveille actuellement sur la commune donc, de Grand-Parigny. Le rond-point, donc place de Bretagne, rond-point de l'hôpital à Saint-Hilaire. Donc ça nous permet de contrôler, de faire des dépistages alcoolémie, stupéfiants, mais également faire de contrôles de personnes qui nous permettent éventuellement de lutter aussi contre les cambriolages. Notre présence permet, la saturation des axes permet aussi de lutter contre les cambriolages. Nous ne sommes pas là que pour faire de la police route proprement dit, faire des dépistages systématiques. Voilà, il y a aussi la lutte contre les cambriolages. On nous signale parfois des véhicules suspects. Lors d'opérations comme celle-ci, ça nous permet des fois de tomber sur ces véhicules que nous recherchons. Toute la compagnie d'Avranche est mobilisée, donc vous me disiez à peu près une vingtaine. Une vingtaine de gendarmes pris sur la compagnie d'Avranche. Donc ça va de la communauté de brigade de Sartilly, Pontorson, la brigade territoriale autonome d'Avranche. On a les collègues de Mortain également, et puis Saint-Hilaire. Et le PSIG également qui tourne sur le secteur. Merci Major.